L'Institut Curie est un acteur de référence de la lutte contre le cancer. Nous sommes une fondation qui a été créée par Marie Curie il y a plus de 100 ans. Et aujourd'hui, c'est le premier centre de lutte contre le cancer, donc qui rassemble un ensemble hospitalier qui prend en charge tous les patients atteints de cancer, associé à un centre de recherche de renommée internationale. La Banque alimentaire reçoit des produits de l'Europe, de l'État, des grandes surfaces, des mécènes, de la collecte, pour distribuer à 168 associations partenaires et au final 65 000 bénéficiaires en Bourgogne. Autrement dit, on distribue à peu près 3 000 tonnes d'aliments par an, l'équivalent de 5,6 millions de repas. La Cravate Solidaire, c'est une association située en bout de chaîne dans l'insertion qui collecte des tenues, les trie et enrichit des dressings solidaires tels que celui derrière moi. Durant les ateliers coup de pouce, on accompagne toute personne en recherche active d'emploi grâce au don d'une tenue professionnelle. Aujourd'hui, on est présent dans 13 territoires. On accompagne plus de 6 000 personnes chaque année grâce à la mobilisation de 1 600 bénévoles. L'Institut Curie a 3 missions. Les soins, la recherche et l'enseignement contre le cancer. Et ces missions, en fait, sont financées par des fonds publics, mais aussi fortement par la générosité, par les dons. Nous recevons de l'argent de l'État, certains dons, des mécènes, dont le Crédit Agricole, et puis nous recevons de l'argent de nos partenaires qui participent à nos frais de fonctionnement. Les deux tiers de nos soutiens proviennent d'entreprises partenaires telles que le Crédit Agricole, et un tiers est financé par les institutions dans le cadre de politiques publiques. Le don du Crédit Agricole a apporté une aide importante dans notre combat contre les cancers des enfants. Il a contribué au financement d'un projet de recherche très prometteur sur les cancers du cerveau de l'enfant mené par le docteur Franck Bourdeau. Le cancer touche malheureusement plus de 2 500 enfants chaque année. C'est un véritable enjeu de santé publique. Le don du Crédit Agricole nous a permis de financer en partie un camion. Nous avons des camions qui, tous les matins, font des ramasses dans les grandes surfaces pour récupérer les produits en fin de vie. Et grâce au Crédit Agricole, on va pouvoir améliorer cette ramasse. Le don du Crédit Agricole que nous avons eu la chance d'obtenir nous a permis d'accompagner 50 candidats dans le cadre de nos ateliers vers l'emploi. Un grand merci à vous.